Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers parents, bonsoir chers amis. Nous vous disons, c'est encore un plaisir renouvelé pour nous d'être devant vous ce soir pour partager avec vous ce dont le Seigneur nous a mis à cœur. Donc, je suis avec mon frère Standy. Déjà, Standy, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Donc, nous sommes là, comme habituellement, hein, pour vous partager ce dont nous avons reçu du Seigneur, pour vous encourager. Donc, vous êtes là sur votre programme, Une jeunesse selon le Seigneur, puisque nous avons eu à cœur de mettre sur pied ce programme-là dans le but d'encourager nos petits frères, nos petites sœurs à se donner, n'est-ce pas, à suivre le Seigneur. Nous allons, n'est-ce pas, remettre ces moments au Seigneur et, comme nous le disons, le but n'est pas de condamner quelqu'un, le but est d'encourager, parce que nous voyons notre jeunesse, comment elle s'enfonce de plus en plus, et nous croyons qu'une seule personne a la capacité de ramener cette jeunesse, la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour nous, qui s'est fait frapper, qui s'est fait insulter pour nous, pour vous. Et c'est la raison pour laquelle ce soir encore, nous voulons déjà lui rendre gloire et lui présenter ces moments. Père, nous te bénissons ce soir, toi qui rends ces moments possibles. Merci Seigneur pour la force, la vie que tu renouvelles en nous. Nous te présentons Seigneur cette réunion, Seigneur ces moments de partage, Jésus. Nous voulons que tu puisses nous accompagner, nous conduire. Nous prions, nous te présentons Seigneur ceux qui suivent cela, ceux qui sont connectés, ceux qui nous regardent Seigneur en direct. Nous prions que tu puisses toucher un cœur, convertir papa. Nous prions véritablement que au travers de nos bouches, tu communiques ta parole papa, la vie. Nous prions que les jeunes soient touchés. Nous prions pour la jeunesse gabonaise. Nous prions pour la jeunesse, Seigneur, de Port-Gentil, afin que tu puisses la sauver du péché. Nous prions pour la jeunesse, pour que quiconque écoutera, Seigneur, cette parole, papa, qu'elle apporte la vie, qu'elle apporte quelque chose, de, Seigneur, de différent, papa, dans la marche, pour ceux qui ne sont pas encore convertis, papa. Nous prions qu'elle apporte la conviction du péché. Nous te supplions, Seigneur, pour nous-mêmes, nous nous présentons à toi, Seigneur, afin que tu nous accompagnes et que tu nous gardes, papa. Remplis, Seigneur, ta parole, remplis nos bouches de ta parole, Seigneur. Ton nom soit béni ce soir encore. Au nom de puissant Jésus-Christ, nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Nous te supplions, Seigneur, afin que les cœurs soient ouverts, ou que là où le Dieu de ce siècle aveugle les yeux, que le voile soit ôté, papa, et que le cœur se tourne à toi, papa. C'est la seule raison pour laquelle nous nous tenons ici ce soir, parce que nous savons que tu es la solution. Alors que la jeunesse se perd de manière générale, alors que l'ennemi travaille au sein de la jeunesse, papa, dans la cigarette et la drogue, nous croyons que toi seul peux t'emparer de cette jeunesse et la sauver. C'est pourquoi nous croyons, nous te la présentons, Seigneur, ce soir encore, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Christ. Révèle-toi eux, Seigneur, et sauve ces jeunes, attire-les à toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, comme nous le disions, ce soir nous avons préparé comme thème, n'est-ce pas, les mauvaises compagnies. Pourquoi ? Parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons des modèles déjà dans nos vies, et pour beaucoup de jeunes, les modèles qu'ils ont ne sont pas les modèles recommandés par le Seigneur. Et très souvent, nos enfants, nos amis, les jeunes, la jeunesse en général est attirée ou alors est conduite ou alors est contrôlée par des personnes qui eux-mêmes sont contrôlées par les ténèbres en fait. Ce qui fait que les jeunes d'aujourd'hui, très peu sont maîtres de leurs décisions. Ils sont soumis à d'autres personnes. Et comme nous le disons, quand nous parlons de compagnie, il faut l'entendre dans le mot le plus simple possible, les camarades, les amis. Donc je vais donner la parole à mon frère, n'est-ce pas, pour qu'il puisse introduire, n'est-ce pas, ce thème. Amen. Une fois de plus, shalom à vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, à ceux qui nous suivent depuis chez eux, que le Seigneur vous bénisse. Soyez encouragés, n'est-ce pas, au-delà des combats que vous traversez, accrochez-vous à Jésus-Christ. Il vient nous chercher, il vient en fait pour prendre son église. Tenez bon, quoi qu'il en soit. Donc soyez bénis et que la paix du Seigneur repose sur vous. J'ai remarqué que dans les épîtres, Paul en fait saluait les chrétiens toujours avec cette formule-là, que la paix du Seigneur soit sur vous. Il est important en fait parce que nous sommes dans un monde où l'inquiétude, les troubles, les inquiétudes en fait du lendemain, la peur du lendemain en fait mine beaucoup et les gens vivent vraiment dans un stress énorme. Donc que la paix du Seigneur soit sur vous.
comme le disait en fait en introduction mon frère, Christian, ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur les mauvaises compagnies. Ce thème nous apparaît très, très important parce que, vous savez, l'être humain est un être très social. Nous ne sommes pas voilà, des gens qui vivent de manière solitaire, nous vivons dans une société. Donc nous sommes amenés à avoir des fréquentations. Nous sommes amenés en fait à avoir des rapports avec les êtres humains comme nous. Et pour nous, enfants de Dieu, comment doit-on se comporter avec ces hommes-là, avec nos voisins, avec nos amis, nos collègues? Il est important en fait. Et il est important de comprendre comment le Seigneur veut que nous puissions marcher avec eux. Et ce thème en fait, nous le tirons d'un passage de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 33. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 33. Paul dit ceci, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Verset 34, « Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. » Je le dis à votre honte. Donc c'est l'apôtre Paul. C'est bon les frères, merci. Verset 34, c'est ce qui m'intéressait. 33 et 34. Dans particulier le verset 33 où Paul dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc comme je disais, l'être humain, les hommes que nous sommes, sont très appelés à vivre dans une communauté, dans un groupe. Enfin, on dit que nous sommes des êtres sociaux. Et donc, il y a forcément des rapports que nous avons, nous entretenons avec, au quotidien, avec des hommes. Et ces fréquentations-là ont des conséquences sur nous. Et nul ne peut, en fait, s'esquiver de cette réalité-là. C'est un principe, vous voyez. Ça me rappelle encore le cours de philosophie en terminale, hein, autrui. L'autrui en fait est notre alter ego, donc ça me rappelle encore voilà, ce cours là. C'est important en fait de comprendre quel est l'impact que les rapports que j'ai en fait en vivant dans la société, quelle est l'influence que l'autre a sur moi. Et si Paul écrit à qui? Il écrit à des chrétiens de Corinthe et il fait savoir que les mauvaises compagnies, autrement dit les mauvaises fréquentations, vous voyez, corrompent les bonnes mœurs. C'est bon, les frères, vous pouvez enlever le texte. Merci. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En fait, il vous est impossible, n'est-ce pas, de fréquenter les mauvaises personnes en demeurant en fait dans la droiture. C'est impossible. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, il dit, ne vous y trompez pas. Certainement que beaucoup d'entre eux raisonnaient en se disant qu'ils pouvaient toujours fréquenter les mauvaises compagnies et demeurer toujours dans la vérité. Il y a un risque parce que, vous savez, il y a comme un dépôt pour ceux qui ont réellement connu le Seigneur. Il y a un dépôt en vous et ce dépôt doit être conservé. C'est pourquoi Paul écrit à Timothée, un jeune, il dit, garde le bon dépôt de la foi. Savez-vous qu'il y avait un dépôt en vous qu'il vous faut conserver? Et Paul leur dit, ne vous y trompez pas, vous ne pourriez pas conserver ce bon dépôt-là si vous entretenez des rapports très étroits avec les mauvaises compagnies. Parce qu'il faut le dire, il y a des bonnes compagnies et il y a aussi des mauvaises compagnies. Il y a un adage qui dit dans le monde, dites-moi qui sont vos amis, je vous dirai qui vous êtes. Pourquoi? Parce que c'est un principe en fait. Les gens avec qui vous marchez déterminent, influencent en fait qui vous êtes. Et puisque notre cible ce soir, c'est une émission destinée aux jeunes en fait, nous savons que les jeunes veulent beaucoup, beaucoup s'identifier au groupe, s'identifier à leurs amis. Il y a beaucoup de compromis que les jeunes font parce qu'ils veulent plaire à leurs amis.
Parce qu'il y a cette difficulté-là qui est là de marcher en fait seul dans la vérité. Et qu'est-ce qui se passe, même pour les jeunes chrétiens? Qu'est-ce qui se passe, c'est que les jeunes, n'est-ce pas, font fi, oublient l'éducation parfois que les parents s'évertuent à leur donner. C'est pourquoi les parents s'étonnent souvent. À la maison, l'enfant a un visage et dehors, il a un autre visage. Pourquoi? Ben, ça cause des mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, ce sont, n'est-ce pas, vos amis, vos fréquentations, qui ont tendance à influencer de manière négative votre vie, à vous attirer vers le bas et non vers le haut. Ces personnes-là, en fait, qui agissent sur vos pensées, votre manière de vous habiller, n'est-ce pas, parce que vous échangez avec eux, parce que vous avez des temps, en fait, où vous discutez, vous passez beaucoup de temps avec eux, et nécessairement, ils impactent votre vie de manière négative. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, ne vous y trompez pas. Et à vous ce soir, nous disons aussi, ne vous y trompez pas. Jeune frère, jeune sœur, jeune fille, tu ne peux pas avoir pour amis des personnes, n'est-ce pas, qui sont pour toi comme une carie. C'est-à-dire que, quelquefois on a dit, lorsqu'une dent est pourrie, voilà, c'est de la bouche qui sort. Donc, si tu es dans un mauvais environnement, ben, cela va influencer ta vie. C'est une évidence. C'est ce que Paul dit ici aux Corinthiens. Vous savez, la vie chrétienne est une vie, en fait, qui est basée sur des principes. Elle est basée sur des principes. Et si vous respectez ces principes-là, vous ferez long feu et vous êtes assuré, n'est-ce pas, d'achever la course. Parce que le tout n'est pas de commencer, mais c'est de terminer. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous qui êtes nouveau converti, vous qui voulez suivre le Seigneur Jésus-Christ, de manière générale, c'est un principe qui est valable en fait pour tout le monde. Vous qui nous suivez, vous ne pouvez pas dans votre vie vous entourer de mauvaises personnes, n'est-ce pas, et vouloir avancer ou réussir dans votre vie. C'est impossible. Vous voyez, les êtres humains, la vie est comme un chemin que nous, dans lequel nous marchons. Vous voyez, la vie, je me répète, la vie, c'est comme un chemin sur lequel nous marchons. Et chacun d'entre nous se trouve sur un chemin. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. On va le lire dans Matthieu. Dans Matthieu 5, Matthieu 6, il me semble. Matthieu 6, j'allais dire 7. Je crois que c'est Matthieu 7. Ouais, 7. Matthieu 7, verset 13. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Donc, c'est en fait ici une vérité. C'est qu'il y a deux chemins. Vous êtes tantôt sur un chemin, tantôt sur l'autre. J'allais lire, vous êtes soit, je préfère le mot, vous êtes soit sur un chemin, soit sur l'autre. Et ce soir, je veux vous inviter, n'est-ce pas, à choisir la porte étroite et le chemin resserré. N'est-ce pas, c'est l'engagement du chrétien, enfin du jeune que vous êtes. Et je vous invite ce soir, mon frère et moi, n'est-ce pas, le Seigneur vous invite à travers nos voies à rentrer par cette porte-là, n'est-ce pas, et à emprunter ce chemin-là. Et qui dit chemin, dit en fait forcément il y a une destination. Votre vie, telle que vous la vivez, a une finalité. Où allez-vous? La question n'est pas tant, n'est-ce pas, où vous voulez aller. Parce que une fois que vous avez engagé le chemin aboutira, n'est-ce pas, à une destination. Autrement dit, vous pouvez vouloir aller, à Libreville, je sais pas moi, ou bien à Franceville, si vous empruntez le mauvais chemin, quoi que vous ayez à cœur de vous rendre à Franceville, si le chemin est mauvais, ben vous n'allez jamais y aller. Et pour ceux-là qui veulent aller au ciel, si le chemin que vous avez emprunté est le mauvais chemin, n'est-ce pas, quoi que vous êtes convaincu, vous êtes sincère, la sincérité, n'est-ce pas, n'est pas un gage, n'est-ce pas, de vérité, vous voyez, ou de salut, c'est une erreur. On a dit qu'il y a
plusieurs chemins qui conduisent à Rome. Je vous le dis ce soir, vous qui nous suivez, il y a un seul chemin qui conduit au ciel, et c'est Jésus-Christ. Il nous présente ici le chemin. Il dit, je suis le chemin et la vie, la vérité et la vie. Alléluia. Et il dit, il est le chemin. Frère, c'est un chemin étroit. Et pour ceux-là qui veulent une porte étroite, pardon, et un chemin resserré, vous voyez, il se trouve qu'il y a une foule de personnes, n'est-ce pas, qui ont emprunté, qui ont décidé, parce qu'ils sont en groupe, parce qu'ils veulent rester ensemble, d'emprunter le chemin qui est large. Donc même si eux, ils n'ont pas à cœur d'aller en enfer, parce que la finalité, de la destination de ce chemin-là, n'est-ce pas, c'est la perdition éternelle. Eux, même s'ils n'ont pas à cœur d'y aller, mais comme ils ont emprunté le mauvais chemin, ils vont se retrouver là-bas. Et c'est comme ça que beaucoup de ceux qui sont en enfer ne veulent pas y aller, je vous assure. Nul être humain sensé, n'est-ce pas, ne veut aller en enfer. Mais ils se retrouvent, pourquoi? Parce qu'ils ont emprunté le mauvais chemin. Et je voulais vous poser la question ce soir. Lequel de chemin voulez-vous emprunter? Ou bien sur lequel de chemin êtes-vous? Vous ne pouvez pas être sur les deux chemins à la fois. C'est de la sorcellerie. Vous êtes forcément sur l'un des chemins. Et ce soir, jeune frère, jeune sœur, toi qui m'écoutes, j'ai envie de te dire, marque une pause. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est de se rendre compte que le chemin que nous empruntons là, ce chemin large, dans lequel vous êtes avec vos amis, vos camarades, dans lequel vous faites la fête, vous êtes joyeux. Pourquoi? Parce que vous êtes entouré, n'est-ce pas, de la foule. Vous vous croyez en sécurité, n'est-ce pas? La conversion, c'est de se rendre compte que ce chemin-là vous conduira en enfer. Et donc, vous marquez une pause, vous rebroussez chemin, vous acceptez d'emprunter le chemin étroit, la porte étroite, n'est-ce pas? Cette porte est étroite, pourquoi? Parce qu'à l'extérieur de cette porte-là, n'est-ce pas, il vous faudra laisser votre caractère, laisser certaines amitiés, des mauvaises compagnies, vous voyez? Vous allez laisser également, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui vous concernent, les choses du monde. On ne rentre pas tout, on ne rentre pas avec tout ce qui nous concerne, ce qui nous plaît dans ce chemin-là. Il va falloir renoncer à beaucoup de choses. Et il y a grand nombre de personnes qui ne sont pas prêtes, n'est-ce pas, à délaisser cela, vous voyez. Et ils veulent, n'est-ce pas, ils veulent aller au ciel, vous voyez, ils veulent aller au ciel avec tout ce qu'ils ont. C'est impossible, je vous le dis. S'il n'y a aucune différence entre vous qui prétendez être chrétien aujourd'hui et vous, n'est-ce pas, qui étiez autrefois sans le Seigneur, il n'y a aucune différence entre vous deux, ben, je vous assure que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'avez pas connu la porte étroite. Le Seigneur dit, il y a peu qui les trouve. Non seulement trouver la porte, mais encore faut-il, n'est-ce pas? Trouver la porte, c'est quoi? Je pense que c'est la vérité. Vous avez connu la vérité, vous voyez? Vous savez en fait que pour vous convertir tel que vous l'entendez ce soir, vous avez au moins trouvé la porte, parce que beaucoup cherchent cela. Mais le tout n'est pas d'écouter, mais il faut entrer et emprunter ce chemin. Je dis, la vie en elle-même est une marche, est un cheminement, n'est-ce pas? Où on va quelque part? Où allez-vous, jeune homme? Dans le chemin large, n'est-ce pas, spacieux, j'allais dire, il se trouve que on est en compagnie de nos amis avec qui on aime discuter, on aime bavarder, on passe du temps à papoter, ça nous plaît et on se retrouve, on s'identifie en fait au groupe. Or, l'une des choses que vous devez apprendre lorsque vous vous convertissez, n'est-ce pas, c'est de se séparer de ces mauvaises compagnies. C'est pourquoi Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit, ne vous y trompez pas. Je vous assure, vous ne pourrez pas aller au ciel en vous entourant des mauvaises compagnies. Pourquoi? Parce que la marche chrétienne est un peu comme, n'est-ce pas, c'est la comparaison que Paul prend d'ailleurs, comme étant ce soldat-là, n'est-ce pas, qui ne s'embarrasse pas des affaires du monde, mais qui vraiment est en train de combattre au quotidien. Il combat dans ses pensées, il refuse le mal autour de lui, il refuse le mal en lui, vous voyez. Et tout ce qui est de nature, n'est-ce pas, à l'entraîner, à le sortir de cette course, de cette marche-là, il s'en sépare. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, si ton œil droit est pourtant une occasion de chute, faut couper cela. Si une relation, si une amitié, n'est-ce pas, une fréquentation est mauvaise pour toi, ben, il faut la couper. Il faut t'en séparer. Si vous ne voulez pas, n'est-ce pas, vous séparer de ces mauvaises compagnies-là, eh bien, vous finirez avec eux. Mais laissez-moi vous dire, en enfer, vous vous sentirez aussi seul parce que chacun aura, n'est-ce pas, son fardeau à porter. Aujourd'hui,
vous accrochez à vos amis, quand même vous avez des doutes en fait par rapport à leur apport. Quelle est la valeur ajoutée de vos amis dans votre vie? C'est une très bonne question. Parce que s'ils ne vous apportent rien, si au contraire, ils vous font regresser, ils vous font reculer, mais à quoi bon continuer à marcher avec eux? Vous devez évaluer. Est-ce qu'ils vous conduisent toujours? Est-ce qu'ils vous parlent toujours des femmes? Ils vous parlent toujours des grooves? Ils vous parlent toujours de l'ambiance? Il n'y a rien de précis, n'est-ce pas, dans votre vie? Mais jeune fille, voilà, ça ne sert à rien. Ces copines-là qui vous font, n'est-ce pas, qui sont là pour vous décourager, pour vous, qu'elles passent le temps à se moquer de vous, à parler de leurs expériences, vous allez finir par suivre leurs conseils. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est très important. Il y a un piège que l'ennemi utilise beaucoup, c'est qu'il sait que l'être humain est aussi un être rempli de sentiments. Et donc, beaucoup de gens disent, ah, mais on était ensemble, on a grandi ensemble. C'est mon ami, c'est ma copine. Et ils ont du mal à abandonner. L'ennemi se sert de ça pour vous capter, pour vous copter en fait, pour vous conduire dans la perdition. Vous devez vous ressaisir. Il dit, ne vous y trompez pas. C'est une vérité qu'il affirme. Ce n'est pas une discussion. Hein. Vous ne pourrez pas continuer de garder le bon dépôt si vous persévérez dans les mauvaises compagnies. Je me souviens que quand j'étais au lycée avec des amis, on devait faire une sortie un soir, et tous mes amis autour de moi, je n'étais pas encore converti, tous mes amis autour de moi en fait voulaient qu'on aille au bar, et comme je voulais absolument me rejoindre à eux, faire plaisir à mes camarades, et ben je suis allé. Et quand je suis allé, ils ont insisté à me faire boire de l'alcool. Ils ont insisté. Alors c'est dit. Et puis et quand vous y allez, vous voyez, tout le monde autour de vous boit, consomme, fume. Pour vous, vous sentez un extraterrestre. Mais pourquoi est-ce que moi je ne fais pas comme eux? Et il dit, mais on va te dire, mais tu es un mougou, tu es une poule mouillée. et donc parce que tu as envie de prouver au groupe que non, toi aussi tu es un homme, tu es quelqu'un, tu as envie de faire, tu veux aussi faire en fait. Et c'est comme ça que l'ennemi gagne les gens. Vous savez, le péché commence par une petite porte avant de grandir. Ah oui. Le péché commence petitement avant de prendre de l'ampleur dans votre vie. Ah oui. L'ennemi pourra vous avoir, passe en général par vos amis, par vos connaissances. Bien sûr. Quand les parents éduquent correctement leurs enfants, voyez, qu'est-ce qui détourne souvent les enfants? Ben, ce sont les amis. Quand vous passez le temps à éduquer votre enfant à la maison, veillez aussi, n'est-ce pas, à ses fréquentations. Avec qui marche-t-il? Est-ce que vous connaissez tous ses amis? Les amis, n'est-ce pas, avec qui il passe le plus de temps, est-ce que vous les connaissez? Avec qui il va travailler quand il sort de la maison? Avec qui il est? Vous devez le savoir. Parce que ces amis-là influencent beaucoup votre enfant. Et ce sont eux qui ont tendance à le sortir de la voie que vous lui tracez. Et à son âge-là, il est propre à un adolescent, n'est-ce pas, de vouloir s'identifier. Il est en quête d'identité. Et pour lui, il se dit que le meilleur chemin, n'est-ce pas, c'est que tout le monde, c'est que la masse, la foule suit. Je vous assure qu'il est difficile pour un jeune de sortir de s'exclure du groupe. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, la marche chrétienne est une marche faite pour les hommes qui ont, n'est-ce pas, des tripes, pour des hommes en fait qui sont engagés, qui sont déterminés. Oui, vous ne pouvez pas être vacillant, être indécis et vouloir suivre Jésus. Parce qu'il est écrit quoi dans l'Apocalypse? Il dit, arrière de moi les lâches. Non, je vous assure que l'une des leçons qu'un nouveau converti, ou vous qui voulez suivre Jésus-Christ, devez apprendre, c'est que vous devez apprendre à dire non. La Bible dit que ton non soit non, que ton oui soit oui. On ne peut pas dire oui à tout le monde. Un moment, tu dis non et tu restes sur ta décision. Il faut parfois déplaire, n'est-ce pas, aux hommes, n'est-ce pas, pour sauver sa vie.
que de les plaire au Seigneur. C'est des principes. Ce sont les principes de Dieu qui vous gardent. Dieu vous protège que dans la mesure où vous restez dans sa parole. Si vous sortez de là, vous exposez, n'est-ce pas, aux ruses et aux pièges de l'ennemi. N'est-ce pas qu'il est écrit que le diable rôde comme un lion rugissant? Il rôde pourquoi? En réalité, il y aurait longtemps qu'il se serait emparé de vous, qu'il vous aurait dévoré. Mais il ne rôde que parce qu'il y a un enclos. Et si vous sortez de cet enclos-là, n'est-ce pas, ben vous vous exposez. Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Seigneur, ton Dieu. Pourquoi? Parce que si vous tentez le Seigneur en sortant du cadre qui vous est assigné, ben vous vous mettez à la merci du diable qui n'attendait que ce moment pour vous dévorer. Je vous assure, jeune homme. Il vaut mieux s'abstenir de commettre des bêtises maintenant. Parce que vous savez, quand vous rentrez, vous ne savez pas quand vous sortez. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont du mal à abandonner la masturbation, la pornographie, ont du mal à laisser la cigarette. Cela nuit à leur santé, ils le savent. Ils sont complètement addicts, esclaves, n'est-ce pas, de ces stupéfiants-là. Mais ils ont du mal à en sortir. Les amis avec qui ils ont marché à un moment donné, aujourd'hui, ces amis ne sont plus forcément là. Je vous assure. Vous croyez que votre vie se limite à cette vie de lycée-là? Dans 2 ans, dans 3 ans, beaucoup des amis avec qui vous marchez aujourd'hui, vous ne serez plus ensemble. Beaucoup, vous n'allez même pas de contact. Donc je me dis, mais il n'est pas utile de tout faire pour conserver leur amitié s'ils doivent vous conduire à la perdition, s'ils doivent en fait nuire à vos projets. Ayez une pensée pour votre avenir, je vous assure. Ayez une pensée pour votre avenir. Quand on regarde en fait comment on était parfois au lycée, on était tellement amis avec des gens, mais pour des raisons en fait de distance, de séparation géographique là, parce que après le bac, beaucoup d'entre vous seraient dans les pays différents. Vous n'aurez plus forcément les mêmes amis aujourd'hui. Donc vous jurez aujourd'hui sur cette relation là, cette amitié, ben demain vous ne serez plus forcément ensemble. Peut-être dans des pays différents, dans des villes différentes, d'autres réalités, le travail, d'autres... Il y a beaucoup de choses. Et pourquoi sacrifier votre jeunesse, votre vie pour des mauvaises compagnies? Ah oui, ils veulent communiquer, ils veulent vous attirer. Un peu, ils commencent par un bâton de cigarette. Je vous assure que le plus grand fumeur de cigarette aujourd'hui, il a commencé par un bâton et dans l'amusement. Il voulait plaire aux femmes, aux filles, il a commencé par un bâton. Il y a des gens qui fument un paquet de cigarettes par jour. Ça a commencé comment? Mais il a voulu en fait montrer que lui aussi c'est un homme. Il n'y a pas que ses amis. Voilà, c'est pas une poule mouillée. Il vaut mieux qu'on vous accuse de poule mouillée. Je vous assure. Acceptez cela. C'est pas grave. D'ailleurs, j'ai très souvent compris que quand on se moque de vous, vos amis, en réalité, ils se sentent jugés par votre vie exemplaire. Et quand vous n'êtes pas là, derrière, ils parlent de vous. Ah, pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme nous? Et donc, pour se sentir en sécurité, n'est-ce pas, il veut vous emmener à être comme eux. C'est pourquoi ils vous mettent la pression. Et derrière eux, n'est-ce pas, il y a un qui, la Bible dit, il est l'ennemi de vos âmes. Il est l'ennemi de vos âmes. Il veut vous nuire. Il veut détruire votre jeunesse. Le titre de cet temps que nous prenons, en fait, cette émission, c'est une jeunesse selon le Seigneur, une jeunesse selon le Seigneur, parce que nous voulons en fait vous montrer la vision, le type de jeune que le Seigneur veut que vous soyez. Nous voulons vous montrer un modèle, nous voulons en fait vous montrer le chemin, si vous vous interrogez, vous voyez. Ne regardez pas forcément autour de vous ce que vous voyez, ces jeunes-là, tatoués, machin. Si vous l'êtes aujourd'hui, je vous assure que le Seigneur veut que vous puissiez vous repentir tout simplement. Revenez, repoussez le chemin. Il dit, rentrez en vous-même. Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur. Même au milieu de frères et sœurs, même à l'église, qui vous a dit que tous ceux qui vont en assemblée sont forcément des frères et sœurs? Il est vrai, il ne faut pas s'entourer, n'est-ce pas, de tout le monde. C'est une vérité. J'en veux que je vais vous inviter ce soir, n'est-ce pas, à vous asseoir, à évaluer quel est l'apport de vos amis dans votre vie. Est-ce qu'ils vous emmènent vers l'avant ou bien vers l'arrière? Vous devez choisir. On a dit que on ne choisit pas la famille où nous sommes frères, n'est-ce pas, parce qu'on est issus de la même famille, mais on peut choisir au moins ses amitiés. Il ne faut pas que quelqu'un vous fasse subir sa présence, son amitié. Non, de vous séparer. La vie est un choix. Et vous êtes le seul responsable des choix que vous faites. Vous ne pourrez pas accuser quelqu'un de vous avoir induit en erreur. Ce n'est pas possible.
Non, vous êtes responsable. Et vous devez choisir. On va lire un passage dans Nombre. Nombre 6. Nombre, j'allais dire 11. Ouais, nombre 11, nombre 11. Je me retrouve là. Nombre 11, verset 4. La Bible dit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera la viande à manger? Est-ce qu'on comprend le contexte ici? Ici, le Seigneur avait sorti Israël d'Égypte. Vous voyez, c'est une image du salut. Le Seigneur nous sort du monde, n'est-ce pas, de ce dont nous étions. Il est allé nous chercher, vous voyez. Il a dû, n'est-ce pas, lutter, j'allais dire, vaincre, détrôner l'emprise que Pharaon avait sur Israël. C'est un peu l'image de la délivrance aujourd'hui, du salut en fait aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Saviez-vous qu'il y a deux maîtres? Si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, assurément vous appartenez en fait au diable. Que vous le vouliez ou pas. Que vous soyez conscient ou pas. Vous voyez, il y a deux maîtres. Et ici, Israël est sous l'esclavage, est en train de servir le diable. Et c'est comme ça que beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes servent le diable, même en étant inconscient. C'est pas grave. Le diable est tellement, n'est-ce pas, fin que même si vous le serviez, n'est-ce pas, de manière inconsciente, il s'en contente et c'est tant mieux pour lui. Il se nourrit, n'est-ce pas, de cette adoration, tant pis, il s'en fiche. Tout ce qu'il veut, c'est que finalement, d'ailleurs, vous perdez votre âme. Ici, Israël, n'est-ce pas, était captif. Le Seigneur va aller délivrer Israël, n'est-ce pas? Il va se manifester, il va délivrer. Sa pharaon ne voulait pas. Le diable ne veut pas lâcher prise, vous voyez? Il ne veut pas vous laisser aller tranquillement. Le Seigneur va, n'est-ce pas, opérer des prodiges et des miracles. Israël va lâcher, sa pharaon va lâcher. L'image du diable, il va lâcher prise. C'est l'image des entités de votre famille. Ils vont lâcher prise parce que le Seigneur va se manifester à eux de manière puissante. Vous voyez? Et pendant qu'ils sont en chemin, ils sont en chemin pour aller où? Ben dans la terre promise. Vous voyez? Et pour nous aujourd'hui, c'est la nouvelle Jérusalem. Nous sommes en train de marcher pour aller au ciel. Alléluia. La vie chrétienne est une marche. Pourquoi on parle de la marche chrétienne? Nous sommes en train de marcher pour aller au ciel. Et pendant qu'ils marchaient, en fait, ils avaient la nostalgie. Du moins, cette pensée du passé de l'Égypte a été suscitée, n'est-ce pas, par lui dit le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Voilà. Donc, pendant que le Seigneur était en train de séparer son peuple d'Égypte, vous voyez, cette notion a toujours existé. Le Seigneur sépare toujours. Il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous voyez, tant que cette séparation n'a pas eu lieu, le Seigneur ne peut pas, n'est-ce pas, être votre Dieu. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Vous voyez, il est le Dieu de son peuple. Et son peuple, il s'en sépare pour en faire une nation des rois et des sacrificateurs. Il les met à part, littéralement, il les met à part. Il sort de l'Égypte, il sort du monde, n'est-ce pas, pour se révéler à eux. Pour que ce peuple-là vive selon ses principes, selon ses lois. D'ailleurs, il va prendre le temps de les énumérer. D'où il va appeler Moïse à la montagne, n'est-ce pas, pour communiquer en fait sa pensée, ses principes, n'est-ce pas, sa sainteté. D'où les 10 commandements, n'est-ce pas, qui sont le résumé des lois morales du Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu? Pendant que Israël est en train de marcher pour aller conquérir le territoire que le Seigneur en fait a promis, l'endroit où le Seigneur a prévu qu'il puisse demeurer et vivre, il y a même dit qu'il y a un ramassis des gens, vous voyez, qui vont accompagner Israël, vous voyez. Ils étaient motivés par quoi? Ben, ils voulaient aussi aller dans vivre cette promesse-là. Ils voulaient aussi, n'est-ce pas, côtoyer les enfants d'Israël, mais ils étaient attachés encore à l'Égypte. Et donc, la convoitise va naître, ils vont penser à l'Égypte. Ah, quand j'étais en Égypte, je mangeais ci, je mangeais ça. J'ai envie de te dire, ma soeur, mon frère, ce soir, que si tu as encore fortement à cœur l'Égypte, parce que c'est très dangereux pour toi, tu risques de ne pas achever la course. Ah oui, il doit y avoir une opération chirurgicale où le Seigneur... Où tu es, non seulement tu es sorti d'Égypte, mais le Seigneur et le Saint-Esprit surtout, alléluia, le Saint-Esprit sort l'Égypte de toi.
C'est une chose d'être sorti de l'Égypte, c'en est une autre que l'Égypte sorte de toi. C'est-à-dire quoi? Les émotions, c'est-à-dire quoi? Les sentiments, les plaisirs, les joies qui sont rattachés à l'Égypte, le Seigneur nous en délivre pour intégrer en vous, pour mettre en vous les joies, non pas des Égyptiens. Et là se crée la différence, n'est-ce pas? La distance. Maintenant, les joies des enfants du royaume. Vous allez maintenant avoir d'autres envies. Vous allez maintenant avoir d'autres plaisirs. Vous allez prendre plaisir à la présence du Seigneur, à la joie du Seigneur, aux choses d'en haut. Voici l'opération, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit va faire en vous. En vous. Et donc, à cela, n'est-ce pas, cette mauvaise compagnie, n'est-ce pas, c'est ce ramassis de gens, vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont susciter dans le cœur. On est tellement faillible que le discours, vous pouvez avoir oublié quelque chose, n'est-ce pas, le Seigneur vous en a délivré. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont, parce qu'ils sont de mauvaise compagnie, n'est-ce pas, autour de vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont vous rappeler cela, ils vont vous mettre cela à jour. Ils vont en fait vous présenter à nouveau cela. Et maintenant, la convoitise va encore naître dans notre cœur. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à murmurer. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens murmurent. Parce qu'ils ont oublié, n'est-ce pas, le Seigneur a travaillé tellement dans leur cœur, ils ont oublié la vie passée. Ils sont dans la sanctification. Il y a un ami, il y a un faux frère, n'est-ce pas, des mauvaises compagnies qui viennent autour d'eux pour leur rappeler, ah mon frère, voici, ils montent les gros téléphones, et ils montent... Tout un tas de choses, n'est pas, de tentations, et ça réveille encore en vous le désir du passé. Ma sœur qui te sanctifie, tu as quitté, n'est-ce pas, un homme qui t'entretenait. Aujourd'hui, tu vis dans la sanctification, et donc tu es privé de beaucoup de choses. Et il y a une sœur en Christ, ou bien, je sais pas moi, il y a une amie qui vient autour de toi, et elle commence à te dire comment elle vit, elle te dit comment son copain prend soin d'elle, et ma sœur, une telle amie, une telle connaissance, une telle fréquentation, il faut la fuir. Il faut la fuir, je t'assure. Si tu veux sauver ta vie, tu veux sauver ta peau, il faut te séparer de telles amitiés. Ah oui. Parce que elle va commencer, c'est l'ennemi qui parle. Le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire quoi? Mais les paroles, n'est-ce pas, de quelqu'un qui n'est pas rempli du Seigneur, les paroles de l'ennemi, sont mort et condamnation. De la même manière que la parole que les enfants du Seigneur peuvent prononcer, n'est-ce pas qu'il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Mais c'est comme un venin que l'ennemi va semer en toi. Et ça va réveiller des choses. Alors que nous sommes appelés à crucifier la chair, mais les mauvaises compagnies vont réveiller la chair. Beaucoup, Paul dit donc, dans 1 Corinthiens 15, verset 34, beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Je vais progresser rapidement pour donner la parole à mon frère. On va lire un texte dans le livre de Proverbes. Proverbe 1. Proverbe 1, verset 8. Il a dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. À toi qui m'écoutes ce soir, jeune fille, jeune homme, voici ce que le livre de Proverbes dit. Il dit, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Les conseils, n'est-ce pas, que tes parents te donnent, il faut écouter, il faut prendre le temps d'écouter, il faut bien écouter cela. Parce que c'est un gage pour toi, n'est-ce pas, de sécurité. À moins que tes parents, et il ira de voir les parents qui vous disent ouvertement d'aller en fait d'emprunter le mauvais chemin, à moins que ces parents-là vraiment soient des parents particuliers. Mais en règle générale, les parents aiment leurs enfants. Et à moins que ça ne sorte de la voix du Seigneur. Oui, il faut écouter les parents parce qu'ils ont vécu avant vous, ils ont eu de l'expérience et vous devez apprendre à les écouter. Il y a une seule occasion, un seul moment où le Seigneur nous autorise à ne pas écouter nos parents, c'est lorsque c'est hors de sa parole, hors de sa volonté. Si le parent vous envoie directement les péchés, à ce moment-là, le Seigneur dit, ben, il faut obéir, il faut, enfin, obéir à vos parents, mais que ce soit selon le Seigneur. Tant que ce n'est pas contre la volonté du Seigneur, le Seigneur veut que tu puisses obéir à tes parents.
Le verset 9, mon frère, s'il te plaît. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Alléluia. Ne te laisse pas gagner, ami, toi qui m'écoutes, auditeur. Ne te laisse pas gagner par des amis qui veulent te conduire, qui veulent te conduire dans le chemin large, dans le chemin, n'est-ce pas, qui conduit à la perdition, dans le mauvais chemin. Ne le fais pas, ne te laisse pas gagner. S'ils viennent, même malgré les arguments qui vont avancer sur toi, ne te laisse pas gagner. Ça veut dire que tu as le pouvoir de te laisser gagner ou bien en fait de te dégager, n'est-ce pas, de cette séduction qu'ils veulent mettre sur toi. Ne te laisse pas gagner, frère. Le verset 11. S'ils disent, viens avec nous, dressant des embûches, versant du sang, tendant des pièges à celui qui se repose en paix, en vain, sur son innocence. Verset 12. Engloutissant-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Donc voici un peu les promesses. Hein? Voici un peu les promesses qu'ils font. Hein? Il dit, viens, des pêcheurs. Hein? C'est toujours comme ça. Des pêcheurs viennent à toi pour te dire, rejoins-nous, viens, suis-nous. Hein? Ils veulent te séduire. Non, ils vont te dire des belles paroles. Ils font des promesses qu'eux-mêmes ne peuvent pas tenir. Assieds-toi, regarde un peu tes amis. Regarde-les un peu tous. Et dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détends ton pied de leur sentier. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. C'est terrible. Ne te mets pas en chemin avec eux. Jeune homme, jeune femme, détourne ton pied. Si tu veux avoir des jours heureux, si tu veux réussir ta jeunesse, évite les mauvaises compagnies. Au lycée, moi, qu'est-ce que je faisais? Quand j'étais dans une matière et que j'avais des difficultés, moi, je regardais en fait celui qui avait les meilleures notes. Je m'approchais d'eux. Pendant la récréation, là, je lui dis, quand les notes vont arriver, j'entends un 15 et moi j'ai même 11 ou bien j'ai 10. Je m'approche, je lui prends sa copie, je le lis, je lui pose des questions. Tu as fait comment? En fait, moi je m'approchais des gens parce que je voulais évoluer. Mon frère a partagé son expérience tout à l'heure là, je lui donne la parole. Mais vous devez vous entourer des gens qui vous aident à réussir, à aller de l'avant. Même au travail, vous devez vous entourer des gens qui vous aident, qui vous propulsent par leurs conseils, par leur apport, parce qu'ils sont là pour veiller sur vous. C'est de ceux-là que vous devez vous entourer. Pas des gens qui vont vous aider en fait, voilà, à aller au bar, tout le temps ils vous mettent la pression, aller faire les dépenses. Vous ne gagnez rien de cela. Vous devez vous en séparer. Moi, on avait fait avec les amis, avec les camarades, un groupe de travail. Dans le groupe de travail là, ben, c'était uniquement au travail. On regarde, celui-là, il est bon dans telle matière. Chacun d'entre nous, en fait, ce qui fait qu'à un moment donné, tout le monde avait forcément la moyenne et on était parmi les meilleurs. Donc, examen blanc, tout le monde devait avoir la moyenne. Sinon, quand ça n'a pas marché, on se retrouve, on accentue le travail. Vous devez vous entourer. Je dis, non, vous êtes à une phase sensible de votre vie. C'est le temps où vous devez travailler et encore travailler. Il vous faut travailler. Alors, vous ne pouvez pas être un homme travailleur, n'est-ce pas, et continuer à perdre du temps par des mauvaises compagnies, par des distractions inutiles, par tout un tas de choses. Vous devez vous séparer. Et ce sont des mauvaises compagnies qui vous induisent en erreur. Les mauvais amis, les mauvaises fréquentations. Tu sais que quand tu es avec lui, il a un langage grossier. Tu vas finir par avaler ce qu'il te dit. C'est un poison. Il faut fuir de telles compagnies. Et au bout d'un moment, ben, on dit qui marche, c'est quoi? Qui s'assemble se ressemble. C'est ce qu'on dit dans le monde. Oui. Qui s'assemble se ressemble. Vous finirez par le ressembler si vous continuez comme ça. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. Vous voyez.
Donc c'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager. Je voulais un dernier passage avant de donner la parole à mon frère. Dans psaume 1, le psaume 1, il est dit ceci. Verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur. Ah oui, frère, c'est très fort. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ben, leur avis, n'est-ce pas? Une suggestion, ton ami en fait te dit, non, ben, moi je pense que tu pourrais faire ça. Mais quand tu regardes en fait sa vie, tu sais que c'est quelqu'un de méchant, ce conseil-là ne va t'amener nulle part. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Dans votre vie, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie est un chemin, n'est-ce pas? Est un cheminement. Nous sommes sur un chemin et nous avançons, nous marchons. Et il dit, heureux cet homme-là, n'est-ce pas? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Vous voyez? Il y a un, il marche, un, deux, il s'arrête. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez? Non seulement cette fréquentation, c'est de manière physique, mais c'est même aussi de manière virtuelle. Vos amis sur Facebook, vos amis sur WhatsApp, n'est-ce pas? Ce cercle, n'est-ce pas, qui vous environne, a de l'influence sur vous. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas, n'est-ce pas, être entouré des personnes de mauvaise moralité. Ne vous asseyez pas avec eux. S'asseoir, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on prend le temps, n'est-ce pas, de discuter, on a des sujets communs, n'est-ce pas, des intérêts communs. On s'assoit de manière, on se connaît vraiment. Il dit, ne vous asseyez pas. Le verset suivant. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussi. C'est dans ces bons versets 3 qui m'intéressait. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc si vous voulez réussir, jeune homme, si vous voulez demain réussir vos études et après vos études supérieures, vous voyez, et le travail, votre carrière professionnelle, il vous faut, n'est-ce pas, vous séparer des mauvais collègues, des mauvais amis, des mauvais conseils. C'est ce que le Seigneur en fait recommande. Donc je vais m'arrêter par là, mon frère. Amen. Amen. Bon, je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce que le frère dit. Hein. Il m'a arraché les mots, en fait, si je peux dire, de la bouche. Et je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qui a été dit. Et je crois aussi que vous vous êtes encouragé. J'aimerais juste intervenir sur la partie, en fait, parce que c'est important, en fait, c'est important aussi de savoir que derrière les mauvaises compagnies, il y a des conséquences. Vous savez, quand le Seigneur dit de fuir la mauvaise compagnie, il faut aussi comprendre le pourquoi. C'est même pas, il ne faut pas fuir parce qu'il faut fuir, mais il faut comprendre la nécessité. Et je crois que c'est derrière la compréhension de la parole du Seigneur ou la compréhension d'une conséquence qu'on prend la bonne décision, en fait. Et une chose que nous devions comprendre en tant que jeunes, c'est que beaucoup d'entre nous, on a été éduqués selon les hommes, hein, selon l'amour des hommes, mais pas selon l'amour du Seigneur. Beaucoup de parents ont donné de leur énergie, de leur capacité, de ce qu'ils connaissaient, et pour beaucoup, ils n'ont pas le Seigneur. Ce qui fait que une grande partie de la jeunesse a été éduquée par le monde. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il faut réaliser que c'est là. Ça veut dire très peu d'enfants, d'ailleurs, ont la connaissance du Seigneur. Très peu d'enfants, d'ailleurs, savent faire des choix par rapport à leur vie. Parce que c'est le monde qui les a enseignés. Et qui règne dans le monde? La Bible nous dit, tout le monde est sous la puissance du mal. Vous voyez, ça veut dire, une grande partie de notre jeunesse est dirigée par Satan. Ce n'est pas Dieu qui règne dans leur vie. Du coup, il est important pour nous aujourd'hui de fuir ce type de jeunes-là, ce type de jeunesse. Il est important pour nous de fuir parce que ils ne sont pas sous l'emprise du Seigneur, mais sous l'emprise du mal. Du coup, ils ne peuvent pas nous communiquer, n'est-ce pas, la vie dont on attend. On ne peut non plus reprocher nos parents. On les encourage aussi. On encourage beaucoup de parents aujourd'hui à éduquer selon le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même, il dit,
aussi méchant que vous êtes, si vous ne pouvez pas donner quelque chose de mauvais à vos enfants, ce n'est pas le Père au ciel qui le fera. Ça veut dire, nos parents ont de l'amour pour nous, mais très souvent, ce n'est pas comme le Seigneur le veut. Donc, il est important pour nous, n'est-ce pas, de choisir la bonne part qui est la parole du Seigneur. Je veux prendre un passage pour faire ressortir, n'est-ce pas, les conséquences des mauvaises compagnies, parce que c'est très important. Il faut comprendre pourquoi la mauvaise compagnie n'est pas bonne. On va prendre Exode 34, verset 12. Hein. Exode 34, verset 12. Si les frères peuvent trouver, Exode 34, verset 12. Exode 34, 12. La Bible dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Je vais expliquer un peu le contexte. Mon frère l'a dit tout à l'heure. Le Seigneur a délivré son peuple de l'Égypte. Il a sorti son peuple de l'Égypte, n'est-ce pas? Il les a promis une terre. C'est l'image du monde, comme le frère l'a dit. Et cette terre que le Seigneur les a promis avait des habitants. Mais ces personnes étaient étrangères à la loi du Seigneur. La mauvaise compagnie, c'est la personne, c'est l'ami ou le camarade qui est étranger à la loi de Dieu. Donc lui, il ne marche pas selon les principes du Seigneur. Et la Bible dit, il sera un piège pour toi. Pourquoi? Parce que sur lui demeure la colère du Seigneur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mauvaises compagnies, sur eux, si on peut dire ainsi, reposent la colère du Seigneur. Et les choses qui arrivent dans leur vie vous arrivera aussi. Parce que vous êtes non seulement influencé par lui, et vous subissez les mêmes conséquences que lui. Vous imaginez des enfants qui font des pratiques bizarres, des enfants qui ont même des parents qui font des pratiques bizarres. Quand le malheur les arrive, mais vous subissez. Si vous vous posez bien des questions, vous remarquerez qu'il y a des personnes que quand vous avez fait leur rencontre, des choses difficiles sont venues dans vos vies. Les choses ont commencé à tourner mal. Pourquoi ? En fait, c'est leur influence, en fait. Quelqu'un qui ne dégage pas la sainteté du Seigneur, quelqu'un qui ne dégage pas la crainte de Dieu, tout ce qui est de malheur dans sa vie, vous en écopérez aussi. Il faut que vous le sachiez. Il y en a qui ont été influencés par des amis. Et aujourd'hui, vous avez une grossesse, vous avez un enfant dont le père n'est pas là. C'est ça dont vous subissez. Si vous n'aviez pas connu une telle personne, si vous n'étiez pas attaché au venin qui est sorti de la bouche de cette personne, aujourd'hui, vous ne serez pas en train de souffrir. Il est important de comprendre que la mauvaise compagnie ne nous apporte pas du bien. Nous avons l'exemple de Moïse dans le désert avec le peuple. Vous vous rendez compte que c'est l'intervention de Moïse qui a fait que le Seigneur ne frappe pas le peuple. Pour dire que la bonne compagnie, parce que si on parle de la mauvaise compagnie, il faut aussi dire la bonne compagnie aussi nous amen. Permet d'avoir des choses bien dans nos vies. Amen, amen. Est-ce que vous voyez, c'est important de savoir. Je marche avec le premier de la classe, je me rapproche de lui parce que je sais qu'au travers de lui, j'ai des choses dont je vais comprendre. Pourquoi? Vous savez, l'un des points que l'ennemi utilise pour égarer la jeunesse en passant par les amis, c'est, je peux dire, le manque de compréhension parentale ou le manque d'amour de notre niveau. Parce que les parents, très peu de parents parviennent à descendre au niveau de leur enfants et leur parler pour qu'ils comprennent. Du coup, la jeunesse se voit attirée par la jeunesse du dehors parce qu'elle nous comprend, elle nous écoute. On est, si je peux dire, alignés. Et l'ennemi se sert de ça pour nous perdre. L'ennemi se sert de cela. Il a vu ce creux-là. Et nous encourageons aussi par là les parents à descendre au niveau de vos enfants afin qu'ils vous comprennent. Vous savez, l'éducation que parfois nous donnons à nos enfants, tenons compte de leur âge, de leur niveau. C'est important parce que c'est ça que l'Odéon utilise pour les gagner. Les parents aussi doivent faire les efforts pour comprendre les enfants et leur donner le message qu'il faut au temps convenable. Donc, comme je disais, les bonnes compagnies nous font du bien. Si tu veux progresser dans ta vie, en parlant même, je crois qu'on a publié le bac, beaucoup qui ont échoué, si vous rentrez en vous-même, regardez avec qui vous marchez. C'est très important. Regardez avec qui, regardez vos fréquentations. Quand le Seigneur parle de mauvaise compagnie, je vous assure, les conséquences sont graves. La PJ vient chercher
Quelqu'un qui vit des stupéfiants, le simple fait qu'il vous connaît, s'il pointe du doigt, s'il dit vous aussi, vous étiez. Quoi que vous lui avez dit seulement bonjour matin, il dit oui, on vous ramasse aussi. Réalisez que la colère qui pèse sur lui, le malheur qui est sur lui, vous atteindra. C'est important. Vous qui avez le Seigneur, c'est encore capital, c'est encore très important pour vous de vous séparer de telle personne. Regardons l'histoire de Jonas. Jonas était dans la désobéissance. Jonas était sous la colère du Seigneur. Jonas est parti. Il voulait fuir loin de la face du Seigneur. La Bible dit que les problèmes qui pesaient sur Jonas a affecté le bateau et ceux qui s'y trouvaient. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est terrible. Ça veut dire, je ne vais pas chercher mes problèmes. Tous ceux qui sont amis avec moi en subissent aussi. Il faut que vous le sachiez. C'est très important. Parce que vous marchez avec des gens de mauvaise, vous vous dites non, on marche seulement, oui. Mais spirituellement, il y a des choses qui se tissent. Spirituellement, il y a des choses qui se passent. Il subit un fouet, vous le subissez aussi. C'est important de le savoir. Quand le Seigneur nous dit de fuir les mauvaises compagnies, quand le Seigneur nous dit de ne pas imiter les peuples étrangers, c'est parce qu'il nous aime. Donc vraiment, les amis, les conséquences sont vraiment énormes. J'ai dit énormes. Si on veut s'asseoir à parler de la mauvaise compagnie, des mauvais amis, je vous assure, on passera des semaines et des semaines. C'est vraiment énorme. Nous vous exhortons et nous vous encourageons. Triez vos amis. Triez vos amis. La Bible dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. La Bible dit que c'est au travers de nous que les gens doivent être édifiés. Et le Seigneur n'a pas dit de changer les mauvaises compagnies. Le passage dit bien de fuir les mauvaises compagnies, de les éviter. Vous ne pouvez pas les changer. Vous qui parfois dites j'ai la foi, j'ai ceci, le Seigneur ne nous a pas appelés à changer les mauvaises compagnies. Ils doivent voir la lumière du Seigneur en nous et accepter le Seigneur dans leur vie. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas nous qui allons les changer. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible n'a pas dit que les bonnes compagnies corrompent les mauvaises mœurs. Non, la Bible dit il faut fuir ces choses. Donc moi je crois que je vais m'arrêter par là et vraiment, nous vous encourageons. Hein. Ce n'est pas un message de condamnation, mais d'interpellation. Hein. Nous tous nous sommes passés par là. Beaucoup sont influencés par les amis. Les mauvais amis commettent tellement de gaffes. Vous voyez, une fille perd sa virginité, c'est derrière le conseil d'une amie. Un garçon perd sa virginité, c'est derrière le conseil d'un ami. Un enfant connaît la cigarette, c'est derrière le conseil d'un ami. Et retenez qu'avec le monde qui va mal, il y a des enfants qui viennent des familles où l'inceste est prôné, l'homosexualité est acceptée. En fait, tout ce dont le Seigneur a en horreur dans leur famille, c'est cautionné. Et quand vous fréquentez de telles personnes, vous subissez tous les chocs qu'ils subissent. Donc vraiment, nous vous exhortons à faire très attention. Vaut mieux marcher seul que d'avoir une mauvaise compagnie. Ça, je vous l'assure. Le Seigneur vous gardera. Et l'amour dont vous cherchez auprès des jeunes, une seule personne peut vous la donner. Je bénis le Seigneur parce que il n'a pas tout mis dans les parents. Les parents peuvent tout nous donner, mais l'amour parfait et véritable, c'est Jésus. Amen. Et c'est ça qui vous gardera. Amen. C'est ça qui vous gardera. Vraiment, que le Seigneur soit béni et vraiment, si tu peux donner le mot de fin, mon frère. Eh ben, que le Seigneur soit béni pour ce temps, pour ces quelques paroles que nous avions pour vous, prévues pour vous, que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Donc, j'ai un passage là qui me montait à cœur dans le livre de Proverbes. La Bible dit que marche avec les sages et tu deviendras sage. Amen. Donc, c'est le conseil que nous avons pour vous comme mot de fin, frères et sœurs. Entourez-vous des gens qui craignent le Seigneur, que vous admirez en fait, des gens qui ont une bonne moralité, qui vous motivent, qui vous encouragent, qui sont prêts en fait à vous soutenir, en fait, à aller de l'avant dans les bonnes choses. Voilà, tout simplement. Donc, le Seigneur soit béni. On s'est dit à jeudi prochain, s'il plaît au Seigneur. Amen. Amen.